Ouais, le Resident Evil Revelation 2. Alors, bon, on va voir un petit previously, je pense, mais... Attendez, quoi? Alors, attendez, excusez-moi, déjà, je viens de lire un truc sur la jaquette. Sachez que ce Resident Evil va être le meilleur Resident Evil. Tout confondu, ok? Notez bien ce que je dis, parce que je vais probablement dire tout et le contraire pendant les 10 prochaines heures. Mais, Claire Redfield et Moira Burton, ok? Il y a une Jacqueline qui s'appelle Moira dedans, ok? Ok? Voilà. Se réveille dans un centre pénitentiaire abandonné situé sur une île déserte. Barry, le père de Moira, fait équipe avec Natalia, une nouvelle venue pour les retrouver. A-t-il une chance? Y a-t-il une chance qu'il parvienne à quitter cette île en vie avec toutes ces créatures monstrueuses tapies dans le noir? Oh putain, creepy. Contenu bonus, deux histoires annexes jouables, je m'en fous, quatre tenues de personnages. Ok. Mode commando, map, personnage en mode commando. Let's go. Mais tu sais même pas écrire Moira! Et ça, c'est passible de peine de mort aussi. Dis donc. Bon! Et coucou Chris! Comment que ça va? Elle est sympa la prison, ouais, j'imagine, ouais. Des bisous, Mother! Merci encore d'être venu! Mais. Cassez-vous! Allez, Shaki, regarde pas. Oh, regardez cet œil dégueulasse! La fille de notre Barry. Resident Evil. Ah bah voilà. Ça va mieux? Bah je donne. Je donne ce qu'il faut, mais je veux bien dormir cette nuit. Mon mal de tête, ça va un peu mieux, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah il vient regarder. Il vient regarder. Ah, mon dieu, pas mamie. Alors, à peine visible. Pas visible, pas visible. On met les voix en jap. Ou on se fait full FR. Bon, vas-y, on va se faire full FR. Hein. Non, pas en allemand. Non, c'est mort. C'est mort. Quoi, mais je... Ouais, mais j'en veux pas. Non? Je veux jouer au jeu sans internet? C'est quoi, les zombies, ils sont connectés en 4G ou... Oh, il se fait en coop. Vous avez une chance de survivre. Mettez vos nerfs à rude épreuve. On va partir pour une chance de survie, hein. Craignez la nuit. Craignez ce qui n'est pas la nuit. Très bien. Oh. Le bioterrorisme. Le monde vit avec. Vous vivez avec. Des virus sont dérobés, réencodés, utilisés abusivement avec des résultats tragiques. Et à qui êtes-vous censé faire confiance? Aux politiciens qui vendent leur âme pour quelques patrons qui trahissent les consommateurs pour du fric facile? Comptez plutôt sur nous. Nous sommes au-dessus des politiques, toujours à surveiller. Toujours prêt à faire face. Ah oui, c'est vrai que c'est même pas. Nous sommes le rouleau compresseur qui écrase le spectre du bioterrorisme. Il y a même pas d'umbrella et de trucs comme ça dans celui-là. Oh là là, la belle ONG. Il nous appelle Terra Save. Oh. Parce que Terre ne rime pas toujours. Oh la propagande. Oh, on dirait Sheltier quand il parle de Grandia, quoi. Terrible. Redfield. Ah, salut Claire. Oh, c'est Moira, ça.
Moira. Allez. Bienvenue au club. Elle a du peps. À vos ordres, mademoiselle Redfield. Je dois saluer comment ? Laisse tomber. On est amis depuis quand ? Assez longtemps pour que je te fasse marcher. Claire, tu pourrais... Je t'écoute, Neil. Il se passe des choses à Washington. T'es au courant ? Quoi ? Le nouveau virus ? Arrête. Tu sais, la tricelle, c'est fini. Ça me donne faim. Hein ? Allô ? Hé, c'est la fille de Barry Burton ? Oui, Moira a commencé aujourd'hui. Mais sois prudent si tu dois mentionner... Manger ? Je vais manger mon chat. Chant de mine émotionnel. Je vois. T'as fait tes devoirs. T'as beaucoup d'autres atteintes à la vie privée là-dedans. Hé, hey, je dois prendre soin de TerraSave. On a des ennemis. En tout cas, bonne chance pour l'adresser. C'est pas un cheval. Salut. Oh oh, il a fait quoi cette fois ? Enfoiré de Barry ! Chaque fois que je lui demande quelque chose, il me rembarre. Je serais même pas là si j'avais écouté. D'accord. Je sais pas, mais visiblement pas des gens sympas. C'est des méchants. C'est quoi ce bordel ? Lâchez-moi ! Claire Redfield, vous venez avec nous ? Non, il doit y avoir une erreur. Ok. Très bien. Il y a ma console qui est en train de s'envoler. Au secours. Elle fait tellement de bruit, la PS5. Horrible. Elle fait zéro bruit, la tienne. Ah, c'est juste le temps que le jeu charge. Une fois que le jeu il a chargé, elle fait pas de bruit, mais le temps que ça DL et tout... Ah, une prison toute rouillée. Yes. Ouais. Ok. C'est ouvert. Je n'ai rien fait du tout. Non mais sérieusement, guette la gueule du lit. C'est quoi cette prison ? Où m'a-t-on emmené ? Et les chiottes, ils sont cassés ! Non mais... On est au goulag là, c'est pas... Oh, je déconne à peine, il y a un mec qui parle russe là, non ? Vous l'entendez le gars derrière ? C'est Moira. C'est Moira. Oh mon Dieu, Claire ! Ça va aller. Je vais nous sortir de là. Moira, tu es blessée ? Ils t'ont fait mal ? Claire, je me souviens que... D'accord, oui, du cairn. Mais qu'est-ce que c'est que ce Arrête bordel ? Laisse-moi... Ça me rappelle un centre de vacances. Oh, Claire, où t'as bossé ou... Trouver la sortie. Je comprends rien. Il y a totalement quelqu'un qui nous regarde dans les caméras de surveillance là.
Y a des gens qui sont pendus à des trucs là. Wow. C'est n'importe quoi. C'est quoi cet endroit? Pas bouger. Ils font sécher du jambon. Je pense que c'est juste ça, faut pas s'inquiéter. Ils font juste sécher du jambon. Entendu, tu as vu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une fabrique de ketchup. Tout va bien. Ah voilà, là elle va plus faire de bruit. Vous avez vu le truc installé? Et bah là elle va plus faire de bruit. En fait, à partir du moment où c'est installé, c'est ok. Mais avant, c'est... Oh, putain de bordel! Au mieux. Je pense qu'on peut passer de l'autre côté de la vitre. Il n'y a pas un moment où elle se dit... Un couteau. Ça pourrait nous servir. Je m'occupe de l'éclairage. Bah, en fait, il y a le jeu qui s'installe quand je mets le CD dedans. Mais ça s'installe pour de vrai que quand j'ai lancé le jeu. Sur tous les jeux, ça fait ça. Alors, règlement de surveillance des cobayes. Celles et ceux participant aux expériences doivent respecter les règles suivantes. Les sujets doivent être surveillés 24h sur 24, surveiller les capteurs pour détecter tout changement et consigner son statut toutes les 10 minutes. Éliminer immédiatement tout sujet présentant des signes d'anomalie. Là, vraisemblablement, il n'y aura absolument aucune anomalie. Ça, ça sent... Ça sent le programme qui s'est incroyablement bien passé. Tout ira bien, bien entendu. Et... Voilà, rien que les ouvertures de portes. Il y a un problème avec Resident Evil et les ouvertures de portes. Je crois qu'on peut passer là-dessous. Aide-moi, Moira. Non mais par contre tu peux... Ok, on va avoir des phases où on peut contrôler les deux persos. Attention, bah comme dans... Recule un peu. C'était quoi? C'était RE2 non? Ouais. Ah! Ma mère. C'est quoi ce truc que je viens de voir? Aucune idée. J'avais voté cash, merci Stéphie, je note. Pas du tout aller là, ok. Merde, il va la tuer. Bah qui la bute? Allez. Vite! Ah, vite, d'accord. Trop vite là! Y a plus de bruit. J'arrive, Jacqueline, j'arrive! Oh ouais, mais y a pas d'effort là.
connaissais? Oui. Elle travaille pour TerraSave. Qui a pu faire ça? Bah, le truc bizarre qu'on a croisé dans la salle et qui a voulu nous bouffer aussi, non? Oui, tu vends. C'est sûrement la sortie. On doit trouver une entrée. Une entrée? Une sortie, tu veux dire, Jacqueline? Pourquoi? Pourquoi? Attends. Pas bien? Ah, ok. Elle est pas bien. Là. Tiens-moi bien. Ok. J'y suis presque. Non! Connard. Merde, c'est con. C'est ballot. Mais oui, mais il y a quelqu'un. Mais hé, hey, Jean-Michel, y a quelqu'un, il ouvre les portes là. Il va ouvrir des portes, hein, il va nous lâcher des trucs au cul. Je t'entends. Les portes qui s'ouvrent comme ça, ça me fait flipper. J'ai l'impression que ça va lancer une cinématique alors que pas du tout. Bon, on y est. La clé doit être par là. Ah, on est descendu là, là? Ça, 100%, ça s'ouvre dans 2 secondes. Ça s'ouvre, ça. Le mec, voilà, je récupère les clés. Le gars, il va ouvrir la porte. Bim, un truc dégueulasse va nous sauter à la tronche. La clé a disparu. Oh! Tu comptes... Oui. Ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu le dis. Ça, c'est oui. Disparu. Piou, 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 piou. La clé a dû se détacher quand le corps est tombé. Elle peut être n'importe où. Ça, j'aime bien ça. Sombre. Éclair par ici. Changer de perso. Quelle idée nulle. Non, c'est quoi l'idée? Faut que j'éclaire avec Jacqueline pour que... l'autre elle trouve les clés là? Tu crois qu'elle s'est accrochée à quelque chose en tombant? C'est rien moi. On pose des questions? Oh oui, là. Je vois la clé. Impossible de la prendre. Je vais essayer de tirer dessus. Oh, ça va être rigolo. Ça a changé comme gameplay. Allez, vas-y. Yeah, baby. Mais pas genre t'attends que j'arrive. T'attends que ça depuis tout à l'heure, là. Vas-y. J'ai pas peur. Non, je déconne. Je suis mort de peur. Putain, c'est le petit frère de Freddy Krueger, lui. Hop là. Et la banane. Je fouille avant. Comment ça, laisse tomber court? Oh, il y en a un autre là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle est con ou quoi? Bon, elle est partie sans moi? Non mais allô, oui, bonjour, hein. Elle se barre sans moi. Excuse me. C'est quoi ce travail d'équipe? Elle se casse. Bah non, on c'est le début. Voir si la clé fonctionne. Ah, il y a un truc là-bas. Vous l'avez vu là? Petit coin. Petit coin, il y a un truc.
J'ai dit qu'elle était trop conne. Non, non, les... Ok. Les mots ont dépassé ma pensée, pardon. Ok. T'es où? Ça va me sauter dessus? Non, oh, je veux ça. Y'a pas de porte? Ah, il vient par là! Couché! Et ils sont chelous les zombies dans ce jeu quand même. Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ça a pas l'air sympa. Ah oui, d'accord, ouverture totale des cellules. On en est là? Bah oui. C'est pas des zombies. Ah! Ça a changé Resident Evil. Par contre, il loote rien. Elle est tellement en totale détente, elle. Pipilipilou. Tout va bien. Quoi, des gens morts? Non. Ah oui, non, on vient de là-bas. Okay. Elle a bougé. Ok. De sa petit footing. Là, comme ça, dès le début du jeu? Oui. Il te faut une arme, Moira. Non, pas besoin. Désolée. Les armes à feu, c'est pas mon truc. Si, t'as besoin... T'as besoin d'une arme, Moira? Merde, j'avais oublié. Désolée. Ah. On va te trouver autre chose. Grenu. Ça va aller, je vais me charger de l'éclairage. Oh mais non, mais... Quoi? Ah non. Oh bah c'est plus moi qui joue. Il y a un truc qui brille par là, mais je sais pas ce que c'est. Je vais utiliser la lampe. Wow. Pour taper. Ça yes. Me va très bien. J'ai appuyé sur R2. Bien, pied de biche. Celle qui va ouvrir les portes comme ça. Pas du tout. Totalement. Ok. Oh, oh non. Oh non. C'est un enfant? Claire, tu as vu ça, hein? Oh non! Oui, j'ai vu quelque chose. Allez! Oh, c'est bien aussi d'aller se coucher. Allez! Salut! Non, pas des enfants. Pas des enfants. Pas des enfants. Vraiment. Non. Oh, des enfants! Pourquoi des enfants? Oui, ça pourrait être des araignées, mais dans un jeu d'horreur, vraiment, je sais pas... Je le dis tout de suite, on attend le chapitre 2. Pour me dire quoi? Que c'est pas vraiment une prison? Ouais, les zombies à la limite, les araignées. Arrêtez de respirer, vraiment. C'est bon, hein. Pour le petit enfant? Qu'est-ce que tu veux me dire pour le petit enfant? C'est vrai que tu l'as déjà fait, toi, ce Resident Evil. Je vais prendre. Craignez ce que vous deviendrez et Daphné ce que vous craignez. Hein? Qui cite des conneries de poèmes? Vous avez peur? Non. Vous pouvez me le dire.
Va bien. Va bien. De quoi vous parlez ? Ces bracelets changent de couleur lorsqu'on a peur. Super. Oh, il est grand lui, hein ! Exactement. Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. Il y a marqué quoi ? Attends, pousse ? Attends. Se réveille dans un centre pénitentiaire abandonné situé sur une île déserte. Il y a le padré qui fait équipe avec quelqu'un, une nouvelle venue pour les retrouver. Y a-t-il une chance qu'ils parviennent à quitter cette île en vie avec toutes ces créatures monstrueuses tapies dans l'ombre ? Ouais. Est-ce que de toutes ces créatures monstrueuses sous-jacent tous ces enfants. On avait qui type Natalia. Bah attends, c'est pas la connasse qui est morte, ça. Natalia. Pas du tout. Perdu. Non. Attends. Barry et Natalia. Bah, on a deux équipes. Claire Moira et Natalia Barry. Barry, il va nous chanter des jolies chansons, Barry. Oh non, elle nous parle. Non, mais écoute, on verra, je sais pas, je n'ai pas compris. Une carte. Yes. Où fait lien avec les enfants ? C'est l'enfant de Natalia. Amélioration des mesures de sécurité. Conformément aux instructions du directeur, j'ai placé le but de lance-flammes en face de la sortie. Pas bonne idée. Les lance-flammes, les flammes qui soufflent sont vraiment impressionnantes. Même si plusieurs des expériences tentaient de passer en même temps, elles seraient toutes grillées sur le champ. Défense de passer, tant pis pour ceux qui essayent de s'échapper. Ah ouais, ouais, ouais. Lance-flammes. On dirait une sortie. Ok. Une roue. Putain de technologie. Ouais, 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 ouais. Alors, on va aller par là, c'est ouvert. Pardon. Je ris déjà. Très bien. Je ris jaune. Extrait des colonies pénitentiaires. Kafka, le voyageur a demandé, il ne connaît pas sa propre sentence. L'officier a répondu, lui donner cette information serait inutile. Son propre corps en fait l'expérience. Attends, mais c'est quoi? On est où en fait? Ouais, j'étais pas fan du bateau de Révélation 1, mais... Où est-ce qu'on est? C'est quoi ça? Ça a l'air confortable. Je t'en commanderai un si tu veux. Ah mais il est là le truc que je veux. Regarde cette machine. Il y a un truc de bloqué. Ouais, ouais, ouais. Ça marche pas. Il n'y a pas de courant. Où est l'interrupteur? Par là. Oh, il y a plein de trucs. What? Vous craftez. Vous pouvez améliorer et échanger vos armes à l'atelier amélioré. Vous pouvez équiper ou retirer des éléments personnels. Vous pouvez échanger vos armes. Ah, let's go, hein. Come on. Oh, je sais pas pourquoi, je le sens moins bien qu'avant de lancer le jeu, là, tout. Moira, je vais te faire la courte échelle. J'allais dire, j'espère qu'il y aura pas trop de screamers de type enfant. Je comprends pas ce qu'il fait là, l'enfant.
Pourquoi il y a un enfant dans un truc avec des lance-flammes et... Moira se bat avec une barre à mine. I repeat, Moira se bat avec une barre à mine. Pas bien. Quoi ? Tu es blessé, Moira te fait pipi. Ouais. Ah, c'est bon. Par ici. Après, en vrai, le pire dans les Resident Evil, en vrai, c'est que je me fais peur juste avec l'ambiance du jeu, sans même voir des trucs. Ça me stresse, du coup. Je me fais peur même s'il y a R. Là, il y a peut-être un truc. Je veux seulement sortir d'ici. Na-na-na-na-na-na. Affida Turner, elle va nous aider. Ah ouais, c'est ça, t'emballe pas, Jacques. Merde, il y en a d'autres. Pas comme ça. D'autres, il était un. J'ai envie de me réinstaller Resident Evil. Lequel, du coup? Écrit en russe. Chère maman, j'ignore si tu liras... Vous avez vu comme je lis bien le russe? J'ignore si tu liras ceci un jour, mais j'ai besoin de toi. Il nous appelle des expériences, il nous torture tous les jours. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Pourquoi ça arrive ici? C'est si douloureux, tous les jours je vis dans la peur du lendemain. Aide-moi si... C'est vrai, j'ai peur d'une porte, mais d'une porte coulissante. C'est pas n'importe quelle porte, s'il te plaît. Un autre aussi. Oh ! D'accord. Avertissement au sujet de la manipulation des expériences. Les capteurs dont les expériences sont indiquées mesureront l'adrénaline et le niveau de norépinéphrine. Afin de calculer la peur ressentie par le sujet, les douleurs varieront. Vert normal, orange anxiété, rouge clignotant, peur. Et bah refluffy. Et si le capteur du sujet devient rouge, il est déjà en phase de mutation. Tirez-lui dessus immédiatement. Ah mais Fluffy, tu devineras jamais comment elle s'appelle, elle. Hein, Fluffy, elle, tu sais comment elle s'appelle? Elle avec sa petite capuche, là. Elle, là. Et vas-y, t'es là depuis tout à l'heure, en fait, c'est ça? Même pas drôle. J'avais une chance sur deux parce que c'était quoi l'autre? C'est ça, il lurquait. Oh le lurker, hein. Ah Gertrude, oh, ça aurait pu. Ouais. Extrait de Le procès. L'homme a exprimé son souhait de franchir les portes. Le gardien a répondu, si vous voulez vraiment passer, enfreignez le règlement et allez-y. Mais sachez ceci, je ne suis qu'un modeste gardien. Ce qui vous attend derrière la porte vous feront trembler de peur. On peut rester ici sinon. Je veux pas trembler de peur. Na-na-na-na-na-na. Oh là là. Ils sont grands, j'ai le droit pour eux, non? Attends, mais il y a des cages à torture partout.
Ça va pas bien se passer. Je peux pas sauvegarder. Très bien. Oh là. Ok. Il vient me tuer tout doucement. Il vient tout doucement pour me tuer. Oh, tu dégages. Il vient tout doucement. Ah! T'es mort? Il est pas mort. Un deuxième anus peut-être. Plus Gégou. T'es mort? T'es pas mort. Pourquoi il meurt pas? Ouais, cool. Très bien, très bien. Alors, note pour plus tard. Ça là. Oh mais il a été pimpé comme jamais Jean-Michel là. Ah plus grand, plus lourd, plus lent, plus gros c'est la masse aussi hein. Et je parle bien de son arme hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, à mon avis je me serais pris un coup de gourdin, je me serais peut-être pas relevé tout de suite. Artisanal, ok. Oui. Ah, y avait qui? Bah vas-y, descends. Comme un gros chat. Oh, y a un truc bleu là-bas. Dire quoi le truc bleu? Attends, pourquoi il y a un truc bleu? Merde. Je sais pas, moi j'ai jamais vos rêves de toute façon, donc... Je comprends jamais. Le bruit dégueulasse. Ça me dégoûte. Allez, je suis Affila Turner. J'ai peur de rien. Ah, pardon. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Le sol il a fait pouette. Ça n'a aucun sens. Oh ça y est, je recommence à tourner. La carte. La carte, je ne sais pas comment on open la carte. Ah. Oula, je suis jamais venue là par contre. Ok, ah si. Je suis déjà totalement venue là. Alimentation, mais j'ai toujours pas le truc de l'alimentation. Ça c'est le truc qui craft. Qu'est-ce que c'est le truc bleu là-bas? Un lit pour te reposer? Bah oui, probablement, ouais. Probablement. Comme ça a l'air d'aller là-bas, donc on va... Oh, quand ça va se mettre à tourner... Ah bah oui, mais attends! Mais non, c'est fermé. Mais c'est quoi cette merde? Mais... What is this bougie? T'étais pas là avant, toi, dis donc, Jean-Michel. Je monte, je monte. Oh ouais, dis donc. Combien de balles comme ça il faut? Y a pas de tiramis? Y a pas de tiramis. Mais casse-toi, Moira!
Bon, qui c'est qui est en train de me respirer dans le cul là? J'aime pas. Alors, il y a un truc ici. J'ai une clé verrouillée. Enfin, une... Calme-toi. Je peux pas. J'ai que dalle. J'ai que dalle. Me casse. Benard. Oui, c'est vrai que bientôt je n'aurai plus de... Possible. Mais c'est pas ma faute. Je trouve pas où faut que j'aille. Petite clé rouillée utilisée dans le centre de détention. Super. Mais ils vont arrêter tout ce bordel, eux ? Ça s'ouvre pas, on a dit. Bah oui, ça a pas dit. Ça a dit ? Non. Arrête, je lis depuis tout à l'heure. Ça a pas dit ? Tu l'as bien regardé la porte ? Mais comment ça j'ai bien regardé la porte ? Si j'ai regardé la porte, j'ai cliqué dessus, hein ? Ça y est, ça commence. Allez ! Ça commence. J'ai cliqué dessus, j'avais pas encore la clé. Bah c'est que c'est après du coup. Merde. Merci. Ouais, en gros, je vais retourner en arrière comme si tu m'avais rien dit quoi. Et merci. Alors. Une porte. What a puerta. Il cherche Puerta. Côté. Calmez-vous. Des gens. Arrête de mettre une musique stressante là. C'est pas la peine. Déjà stressé. Y'a personne, y'a personne, y'a personne, y'a personne. Je dois passer par là. Y'a des trucs qui pouettent. C'est ça les trucs qui pouettent là? Non? Je sais que cette merdouille. Là, il n'y avait rien. Là, il n'y avait tout rien par là. Hein. Badibi. Badibi. Oh! Et derrière ce mur, le truc bleu. Qu'est-ce que c'est que ce point bleu? What is this blue point? Ah, c'est cette porte... C'est cette porte-là? Oh, mais le jeu, il t'aide en plus! Mais là, mais même si... Attendez, il y a une map, et il y a un point, il te dit où tu dois aller. Et même là, elle arrive à se perdre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça a quoi splendé, ça? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Selon comment on est tourné, ça change tout. Oh là, dis donc, par contre... Calmez l'alien là.
pas nous. Hein. Dégage. C'est vrai que j'ai un coutel aussi. Oh, mais il y en a partout. Il y en a partout. Ça dégoûte. Parez-vous. J'ai plus de mun. Parez-vous. Je viens de le dire en plus. Je peux totalement faire ça. Vraiment. Hein. C'est le moment. On va la laisser y aller. Oui, c'est vrai, c'est ça. Elle est trop. Icône de partenaire. Votre partenaire est tué lorsque vous êtes séparé. La partie est terminée. Ah bah oui, parce que ça repop ces saloperies, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais Jacqueline, je viens de te faire monter. Casse-toi. Non, hein. Mais non, elle revient. Oh, mais quelle emmerdeuse. Je suis pas en train de te demander de revenir. Oh non. Oh, tu sens que ça puce, hein. Allez, vas-y, remets-toi en route, là. Voilà. Vite, vite, vite. Oh. Aveuglement, dirigez votre lampe torche. On est dans des BD. C'est des BD. Je connais, Fluffy, je connais. Oh là. Ah bah oui, Claire sort de la grouille. Comment? Comme ça? D'accord. T'as vu? T'as vu, Zerussia ébloui? Faut que je fasse les gènes. Oh, voilà. Là, c'est le début des emmerdes, du coup. Revenu au cas où il y avait quelque chose à loot, il n'y a rien à dire. Donc c'est ça la vie maintenant? Zeus. Oh là là, mais il y a des trucs qui bougent partout. Bon sang, ça va? Ouais, j'ai failli finir comme une crêpe. Barry raconte cette histoire à tout le monde? Quoi? Bon, au moins on a le courant. Ça devrait aider. Yes, maintenant faut remonter. Pour aller chercher. Ah bah oui, ça a ouvert toutes les cellules aussi, du coup. Oh là là. Quelle merde. Ah, je vais avoir plus de. Non. Je le dis. C'est la merde. Allez, viens. Je te coutale, contact, coutale. Oh! Ah oui! D'accord. Ah oui, donc pas une bonne idée du tout, le coutale. 2 balles, raté. Oh quoi? Non, pardon! J'ai oublié de recharger. Oh, l'erreur de débutante. Pousse. Merci. Plus de balles. Et... Ouais, il est sympa, il a attendu. Il est gentil. Et du coup, Juste avec le couteau, ça va être compliqué, hein. Bah viens Jacqueline, elle fait quoi? Ils ont torturé ces gens. Elle est où? Ah d'accord, elle a fait tout le tour.
pa 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 pa. Et là, toutes les cellules sont ouvertes à... Non ? Tous les petits potes, là, qui s'excitaient depuis tout à l'heure. Voilà ! Bien sûr que toutes les cellules sont ouvertes, mais bien sûr ! Faut se barrer vite, je n'ai plus de mune ! Comment ça ? Oh, mais non ! C'est elle qui doit ouvrir. Ouvre. Dépêche-toi. Micheline, genre vite. Ou jamais oh. Mais comment? Comment je leur pète le fion à eux? Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Bah attends, je voulais utiliser un cocktail Molotov. Pousse. Bah comment? Mais putain, 2 secondes! Attends, pousse. Voilà, ça, utiliser, merci. Mais comment? J'ai abandonné ma pote, hein. Et moi, je veux utiliser le cocktail Molotov. Comment j'utilise le cocktail Molotov? Ah, comme ça? Ok. Voilà. Viens là maintenant, Jacqueline. Alors, tu run, tu fais ton... Là. Allez. Allez, 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 allez. Plus vite. Plus vite. Il y en a 2. C'est une joke. Allez. Ouais, dis donc, meurs un coup là-haut. Ok, feu de choc, parfait. Allez. Vite. L'autre Jacqueline, elle est en train de se faire éclater. Mais putain, c'est même pas un QTE ou quoi, hein. Allez. Ouvre. Open the door. Open the door. Merci. Bon, tout ça pour ça. Merci beaucoup. Ça a bien passé. Tenez. Voilà. Elle a des munitions. Il y a un bandage qui arrête. T'as réinstallé le jeu, Steffi? The Wind Wells In 2 était très cool. C'est en cours. Ok. Donc on n'est plus dans le bâtiment, mais dans la cour. Très bien. Par contre, comment on sauvegarde là-dedans? On est peut-être obligé d'attendre la fin du chapitre? Pas trop. De bracelet. Moi, un qui truc incroyable. Je veux des réponses. Je suis la sentinelle. La peur exige une audience et un metteur en scène. Sentinelle? Vous devez rejoindre le Vosek, là où la vie commence.
Qu'est-ce que vous nous voulez ? Super, vraiment super. Le fameux lance-flamme. Bah oui, force. Mes munitions ! Non ! J'ai fait ça à l'ancienne. De façon legit. De façon débile. Ah ! Du coup, pas trop. Sinon, ouais, la sauvegarde, ça se passe comment, Stéphie, pour le jeu? Est-ce que c'est des chapitres? Du coup, GG, allez, merci. Ah, mais dis donc, ça fait plusieurs personnes qui reconnaissent mon talent ce soir. Je ne m'y attendais pas. Elles étonnaient. C'est des chapitres. Une tour de communication. On est sorti de la prison pour de vrai en fait. Save auto. Je sais pas, j'essaye de check si on a un truc quelque part, mais. Je vois pas d'icône, tu sais. J'ai l'air de dire que c'est. J'ai besoin de toi. Ah, j'en ai. Certaines boîtes doivent être déverrouillées. Placez le curseur. Pas d'ouverture et d'ouverture du curseur et les vibrations de la manette. Ah d'accord. Okay. Ah. J'ai le temps. C'est beau. Tu vois, un jeu d'enfant. C'est un beau. Ouais. Ouais, ça change le coup. D'être fastoche. Non, c'est quoi ces vilains mots dans le mot d'une jeune fille? Désolée. Je ne sais pas dans quoi je t'ai embarqué. Barry ne me pardonnera jamais. C'est pas de ta faute. Et Barry peut aller se faire foutre. Ce type n'arrête pas de se plaindre et de dire des gros mots à tout bout de champ. Ça ne font pas des chats du coup. Je présume. Alors. La ruche. Vette Moira. Moisvet. Elle qui a son père foudre. Enfin, bravo, c'est ça. Et vraiment, il dit vraiment beaucoup de gros mots, hein. Bâtard. 1-2, 1-2. Mayday, mayday. Non. Y a pas de jeu. Il est HS. Reste ici. Je vais aller regarder. Ok. On a des petits passages cinématiques et tout, c'est cool.
Merde! Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon nom est Moira Burton. Mes collègues et moi-même avons été kidnappés. J'ignore où on est! On a ces putains de bracelets et cette femme cinglée qui nous parle! Des sortes de monstres ont tué les autres! Pitié! Envoyez de l'aide! Pitié! Merde! Encore une fois. Mon nom est Moira Burton. Oh là. Ah oui. Quel est cet endroit? Une île. Très bien. Arrête de vouloir me connecter au réseau, hein. Qui veut du feu? Pas moi. Ah oui, d'accord. Oh là là, qui c'est qui est rond S en précision? Excusez-moi. Who is rond S on precision? Oh putain, c'est tous les trucs qu'on pouvait avoir. Trouver 6 objets secrets avec Moira, ouvrir 3 boîtes militaires, trouver 3 trésors. Headshot, let's go. Et 3 ennemis avec une action furtive. Ok, on a des actions furtives. Et 8 ennemis avec des explosifs. Aveugler 10 ennemis avec la lampe torche. Et 8 ennemis avec les lames tournoyantes. Ouais, j'y ai pensé pendant un moment à les mettre sur le côté et les attirer dans le piège, ça aurait pu être sympa aussi. Mettre à terre 5 ennemis en les aveuglant avec une lampe et en les frappant avec des attaques physiques. Et bah tout ça quoi. Juste tout ça. Utiliser points bonus dans la campagne pour débloquer des habilités. Et quoi? Il y a un arbre de talent. Mais what? Oh mais c'est ouf ça par contre. Alors attends. Augmente l'attaque. Welcome. Augmente l'attaque des explosifs. Réduit le temps nécessaire à l'utilisation d'une plante verte. Ça va partir là-dedans. Hein. Augmente la puissance du tir lorsque vous êtes accroupi. Ah, c'est comme ça le sneakitage. Augmente l'effet de guérison. Augmente les attaques des explosifs. Les attaques ennemies. Plus de chances d'échouer. Il y a des trucs là-bas aussi. Augmente la puissance du premier tir d'armes. Augmente la force d'attaque de Moira avec le pied de biche. Ça peut être bien en vrai. Augmente la force d'attaque de Natalia avec le briquet. Oh, ça spoil! Réduit le temps de réaction par deux lorsque vous assistez à un partenaire mourant. Je crois que ça sert surtout pour le mule. Ah, mais pas sûr. Bah, en vrai, si ça fout quelques buffs. Déjà là, ça peut être bien. Vous avez un couteau. Attaque avec le couteau en coup. Claire et Barry. Ouais, c'est ça, ça coûte rien à prendre. Ça coûte des PB quoi, mais. Chargez une attaque physique. Vous êtes temporairement invincible lorsque vous êtes accroupi. Sane. Augmente la distance des skis. Permet de résister aux coups mortels. Augmente la rapidité. Augmente la vitesse du coup. Réduit les temps de. Ah ouais, mais ça c'est bien ça. Vous annulez n'importe quelle action avec une esquive. Allô le monde en fait. Je vais partir là-dessus. Il sait tout. 900. Donc du coup, on a augmenté l'attaque avec les explosifs. Réduit le temps d'utilisation pour les plantes vertes. Ah mais putain, oui, j'avais pas vu, c'est par niveau. Ok. 50%. En vrai, c'est intéressant. Les attaques ennemies ont plus de chances d'échouer. Lorsque vous faites une... Oh, niveau 3, ça peut être bien. Et...
En vrai, on va juste lancer la cinématique. On va s'arrêter ce soir. Vers minuit. On a le temps de se faire un petit trou. Oh, c'est Barry. J'arrive, bébé. Ok, c'est Barry. Pourvu que tu sois en vie. Barry Burton. C'est lui, bébé, du coup. C'est Barry Burton. Oh! Oh, c'est creepy. Oh, c'est creepy. Oh, son bracelet, il est rouge. Faut la tuer. Faut la tuer, ils ont dit dans le tuto. Le bracelet, il est rouge. Pas des enfants. Non. Pas des enfants. Tu dois rester près du bateau, jeune fille, je suis sérieux. J'ai des affaires de grandes personnes à régler, mais je reviendrai te chercher, compris ? Il n'y aura plus de bateau. Elle va manger le bateau. Tu peux pas me laisser. Non, 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 non. Non. C'est trop dangereux pour toi de venir. Mais tu me fais bailler, t'es con, quoi ? C'est si dangereux. Bah oui, mais c'est ta faute si je baille. Est-ce qu'il y a une petite fille sur cette planète qui veuille bien m'obéir ? Ah non, mais Natalia, c'est la gamine ? Non. Oh non ! Oh non, on va faire équipe avec un enfant bizarre ? Oh, pire jeu ! Mais elle va... Elle va nous tuer ? Oh non ! Une tour de communication ? Oh non ! C'est sûrement ici. Mais oui, elle va nous manger. Toute seule. Où sont tes parents ? Je n'ai pas de parents. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Et après, elle va manger le bateau. Elle t'a eu. Au secours. Comme elle a eu mon bébé. J'ai pas de parents, je les ai mangés. Au secours. Je t'aime pas, Natalia, je t'aime pas. C'est bizarre. Oh, mais regarde. 100%. Elle va me faire les screamers, elle. Hein. Tu n'as pas peur de moi ? Non, mais moi j'ai très peur de toi, par contre. Ah ouais, elle est prête, hein. Attention. Oh ! Et quoi ? Barrez-vous, les insectes dégueulasses ! De toute façon, il lui saute dessus, c'est elle qui va les manger. Regarde, elle a même pas peur. C'est elle qui fait peur aux insectes, pas le contraire. Des bisous, Yoni. Bon courage pour demain. Comment tu t'appelles, petite ? Natalia. Et les enfants dans The Forest, joli, ils ont plus de bras et de jambes Barry. Que... Ils ont des bras à la place des... Et... Ouais, cool. Marrez-vous ? Oui. Et tu tâtes, tu descends, tu descends pas, tu descends pas. Ah ouais ? Je me souviens pas des enfants dans The Forest.
bien des adultes qui avaient les membres beaucoup. Il y a beaucoup trop de membres et pas au bon endroit, mais. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est quoi ces bestioles dégueulasses là? Ils attaquent pas la fille, hein. Vous avez vu? Vous avez vu, ils attaquent pas la fille. On dirait que c'est le seul moyen d'entrer. Ouais, ça doit être ça. Allier. Comme dans Alien, les aliens n'attaquent pas les portes. Ce porteur d'un embryon. Son truc est rouge, donc hey, on sait que ça va déjà pas bien se passer. Il a trop d'armes, lui. Oh, le python, ça va être la grosse arme. Les monstres. Et quoi, les monstres? C'est toi, le monstre. Toi, t'as pas commencé à chouiner en me disant, ah, gros, y a des bestioles. C'est bon, c'est toi la pire des bestioles, là. Bon, il court vite, eux. J'en recharge. J'espère qu'on apprend à viser accessoirement. Infectés mentionnés dans le briefing. Un Daniel qui sort de la file, machin ultra rapide et. Ouf, c'est ça, hein. Les gamins là-dedans, ils passent leur vie à poser des. À poser des pêches, des aliens pêches là. Ça dégoûte. Cet enfant me dégoûte. Un autre. Comment tu le sais? Je peux les voir. Comment ça? Natalia peut percevoir la position en vous accroupissant. Augmente le rayon d'action. Pas question, jeune fille. C'est trop dangereux. Pourquoi? Je n'ai pas peur. Voilà. Oh d'accord. Oh c'est une pointeuse, Natalia. Je veux que tu me laisses m'en occuper. Et j'aime bien. Elle le flip. Pourquoi elle part en double, la gamine? Ah! Oh, Shinième host. Oh, mais vraiment! Ils sont cons, les zombies, par contre. Eux, c'est des zombies, on est d'accord, hein. Ah, attends, parce que ça. Ah, j'ai déjà vu ça là. Ça se pète. Avec les. C'est là. Donc eux, ils vont avoir vraiment des ondes. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé l'épisode 3 de The Last. L'épisode. Allez, le matin. On est quel jour? C'est jeudi? Monster. Oh yes, j'en étais à l'épisode 50, un truc comme ça. J'aime vraiment trop cette série. Vraiment que je me les chope en version papier.
trop d'intrigue. Tu as apprécié du coup? Ah merde. Mais c'est vrai que je peux tirer aussi comme ça. Bien aimé. Bon, je suis pas fan d'Urasawa, mais je trouve ça très. Tu peux y arriver. Oui, elle peut. Oui. Un alien, elle vole. Elle va faire proc ses tentacules là. Je suis sûr qu'elle va y arriver. Il y a des trucs qui m'échappent qui sont pas assez. Partout. Un monstre arrive. Ne poussez pas le bond. Là. Ah, on est rendu là. Ah oui. C'est vraiment leur trace là. T'es AFK, non ? On est passé sur le même volet. Moira, elle a appelé à la radio, son père est à la rescousse et du coup on est avec ça là. Le vrai truc flippant du jeu. On joue avec un enfant. Joli jouet. Mais il faut trouver un moyen de l'arrêter. Oh non, vraiment ? On va passer par là. C'est une gamine, ouais, du coup. Gamine. Le gars, c'est le père de Moira. Comme je disais, en fait, il y a eu... Il y a eu un appel radio de Moira. Barry Burton, c'est ça. C'est le père de Moira Burton. Et quand il est arrivé en bateau pour aller chercher sa fille, il y avait elle, là, Natalia. Et du coup, il lui a dit, bah vas-y, viens avec moi. Je pense que c'est une très bonne idée d'aller dans un endroit totalement creepy. Il y a quelque chose sur le sol. Avec une gamine, totalement. Ouh là là.
Bon, le truc qui est bien par contre, c'est que... elle voit les mobs. Ça, c'est plutôt cool. Ah merde. Oh non. Est-ce que tu peux le mettre sur Discord, elle t'appelait? Bah oui, mais je sais pas, ça déconne tout le temps là. Aïe. C'est. Alors, Manon. Oh. Ah, peut-être pas. Bon, c'est normal. Oh, bah, n'importe. Pour tout le monde. Tout le monde il a le droit de rigoler, de rouler. Oh non, je suis de l'autre côté, ça ne marche tout pas. Oui, il a dit c'est normal. Ouais, ouais, ouais. J'ai entendu la même chose. C'est normal. Ah! Il est vraiment rapide, celui-là. Attention, il y a quelque chose sur le sol. Non. Je m'y attendais pas. Oh merde. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est en train de rouler. Elle est en train de rouler une pelle. Elle est bizarre, hein. Ah oui, on a déjà lu ça. Ah oui, ça rigole zéro. Je m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi rapide. Merde. Son premier amour, c'est presque émouvant. C'était pas dégueulasse, ce serait émouvant. Donc faut vraiment sprinter en fait. Bon, c'est normal. Je vais sprinter. Elle est des merdes, hein. Clairement. Et au bon endroit. Attends. Est-ce que je peux plus tirer dessus comme une retarde ou pas? Non. Faire quoi toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien faire. Oh, je le tente très bien, mais elle pas. Non, à zéro moment elle passe accroupie en dessous. Hein. Terrible. Là. Comment je vais là?
Et bah... Ouais. Une bandeau. Faut pas stop ça. Il y a quelque chose. Sois prudent. Ah mais le truc qui est chiant, c'est que c'est derrière pour aller faire vriller l'électricité. Pas passer. On va avoir un coup. Tu réussis à passer. Mais là je peux pas passer là. Tu es censé pouvoir passer là? Pourquoi pour refaire le jeu deux fois hein? Et coucou info. Ah non, c'est pas The Last of Us. Ah oh, putain, il y a un petit trou. Il y a un petit trou pour la petite counasse. Oh. The Last Tofu. Oh, mais il y a même des petits pieds tout par terre. Comment j'étais? Incroyablement creepy. Bon boulot. Comme d'habitude. J'ai flippé. Ta première run? Là-dessus? Ouais. Oui. Il n'y en aura probablement pas de deuxième ni de troisième. Hein. Resident Evil, c'est pas pipou. J'ai perdu. Oh, c'est dommage. Ah oui, c'est totalement ma première run. Mais non, mais c'est parce que j'ai dit que j'allais faire la saga des Resident Evil. J'y vais tranquille, quoi. J'y vais tranquille. Par où déjà? Je crois qu'il y avait beaucoup plus proche, hein. Ah si, ça se fera en une seule run, hein. Si.
Et là, ça devrait être arrêté. Oh, mais non! C'est bon. Le lance-flamme, c'est lui. Ah là là là. El famoso lance-flamme. Bah, GG, je sais pas. Je sais pas si c'est l'idée du siècle, hein, vraiment. Pas sûr, hein. Mais bon. Ok. Tu connais rien, Resident Evil? Viens m'aider. Une petite main. Comment ça? Ah, c'est elle qui peut faire ça, d'accord. Un kit. Oh, mais elle a ses petites traces de pieds, c'est bizarre. Jean-Michel Mito là. Je veux pas faire ma meuf, mais on les avait tous butés. On ne court pas dans les couloirs. Les petites pierres radioactives, c'est ça. Oh. Rapport d'évasion. UG-J038, tué par balle alors qu'il préparait sa fuite. Son corps a été correctement éliminé. L'utilisation de la cellule hashtag 1 à l'entrée du deuxième étage est interdite jusqu'à ce que le mur puisse être réparé. Ah non, mais là, ce qui me trigger, c'est que on a elle, là. Ça me trigger fort. Mais pas des enfants, quoi. Just note les enfants. I don't like les enfants. En plus, avec sa vieille robe de chambre, là, mais carrément. Je comprends pas ce qu'elle fout là. Enfin, tous les coups, c'est un gamin infecté par ce qu'il disait, mais. Cet endroit. La tour de communication est proche. Est-ce qu'il y a aussi. La plante verte n'a pas repoussé. La plante verte. Tu reconnais quelque chose? Non. Vas-y, cours vite, Barry. Grave. Abandonne-la. On y est presque. Ça va? J'ai l'habitude de marcher pour chasser mes victimes. Au secours. C'est fermé de l'autre côté. Mais elle est toute petite. Là, c'est pour ça qu'on pouvait pas rentrer. Barry, c'est fermé. Je fais quoi? Essaie de casser le verrou. Tu vois un objet qui pourrait t'aider? Cherche. Oh, il y avait un truc. Une brique. C'est vrai qu'elle met des coups de brique. Barry, il va se prendre un coup de brique dans la gueule, là. T'es pas prêt, Barry, t'es pas prêt. Bien joué, ma puce. Ma puce. T'appelles pas ma puce. Non, non, non. It's a monster. Le reste près de moi, d'accord? Et on fait un pari. Oui. Elle, c'est le boss de fin. Je sais pas pourquoi. Y a un truc, hein. Tu penses pas? Elle est creepy. En plus, son bracelet, il est rouge. Ça veut dire qu'elle est infectée. Oula. Puis j'allais faire une cata. Tout va bien. Peut-être là, la preuve. Là, paf. Pardon. Chut. Il y a quelque chose. Pas des trucs.
qu'il y a des œufs pas loin. Genre plus gros qu'une balle de fou. Là, ça a pas l'air. Oula ! Oula ! Ok. Chut. Ne bouge pas. On va sortir le fusil à pompe, hein. On va sortir le piton. Il va me proc à la gueule. J'en sais rien. Il va me proc à la tronche, hein. J'ai pas peur. Et c'était... Arrêtez où ? Youhou. Oh non. Oh, elles m'ont du doigt. Elles m'ont du doigt, c'est lui. Pousse-toi. Comment ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu quelque chose. Oh, c'est dans le placard, non. Oh, ça goûte. Oh non, putain, ça goûte. Ah, il va pas nous faire un The Grudge, hein. Pas avant d'aller dodo, hein. C'est dégueulasse. Ok, elle est descendue. Pousse. Ah oui, bah bouge, Jacqueline. Son petit pied. C'est une chose qu'ils auraient pu mentionner dans le briefing. Cette île est complètement folle. Ça s'est désintégré. Parfait. C'était ta mère. Je ne sais pas, ma puce. Restons prudents au cas où il y en aurait d'autres. Oh, il y a un générateur. Ça y est, on est officiellement dans DBD. Let's go. Les bois, la nuit, un enfant zombie. Ouais. Oh mais attends, on m'avait pas dit qu'il avait un petit frère. Oh, il y avait sa mère, maintenant c'est son père. Pardon. Tu le désintègres ? Blou. D'accord. Et où ? Parfait. Oh, le recul de merde. Il a pas fait poète, hein. Là, il a fait poète. Fais pipi. Donc, on a eu le père, la mère, la tante. What else? Regardez les balles de Magnum. L'oncle, bien entendu. Ah, l'oncle, il a deux têtes. Bouge, Jacqueline, par contre. J'avoue qu'on est sur quoi? C'est la tribu de Dana, là? Oui, Willy.
Oh, mais par le pouvoir d'Afida Turner, faites-les tous disparaître. Na-na-na-na-na. Oh, la petite main. Voilà, la petite. Mais c'est pour ça, un rubis, let's go. On va se faire bouffer par des trucs dégueulasses, mais au moins on est riche, quoi. Ah, Yamapi, non ? Enfin, une clairière. Vu la lumière. Partir avec un flingue normal en vrai. Hein. La mitraillette c'est bien mais il y a trop de recul, galère. Ces tarés m'ont tout l'air d'avoir les mêmes symptômes que l'Uroboros. L'Uroboros ? Quoi ? C'est un virus très dangereux. Des gens très méchants l'ont utilisé en Afrique il y a des années. La question est, comment est-il arrivé là ? T'es mort, hein. Écrit en russe. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réussi à en réchapper. Peut-être pas en un seul morceau, mais je suis en vie. J'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé là-bas. Ces efforts pour essayer de nous faire peur et se jouer de nous, c'est de la folie. J'ai rencontré des types dans la forêt. Mais ils ne m'ont pas cru. Je ne peux pas leur en vouloir. Je ne l'aurais pas cru non plus. Après tout, qui oserait s'opposer à celle qui nous a tous sauvés ? Je peux pas y arriver seul. Je suis allé à la tour de communication pour demander de l'aide, mais j'ai obtenu aucun signal. Nous sommes seuls ici. Pourtant, si nous ne parvenons pas à nous faire entendre de l'extérieur, nous sommes fichus. Une sauveuse ? Sûrement pas, c'est plutôt le diable en personne. Est-ce que par hasard il parlerait de cet enfant ? El Diablo. Si, cabron. El Diablo, si. Oh, mais El Diablo, c'était pas le nom du flingue extrêmement stylé sur je sais plus quel jeu. Genre le flingue. El Diablo. Si, c'est ça. Hein. Oh, c'était sur quoi, El Diablo ? Voilà, cache-toi. Trop bien cette émote. DJ Boucherie, ça m'étonne pas. Oh. Devil Wazing. Ah oui, le 1, ouais, peut-être bien. Et... on blub. Ça fait blub. Blub. C'est vide. Des explosifs. Créer des explosifs en combinant des bouteilles vides avec différents matériaux pour combiner les objets. Faut combiner des objets. Combiner. Cause une explosion intense. Faire des cocktails molotov. J'aime bien. El Diablo, tu tirais une balle. T'as fait droit à un voyage à l'hosto pour t'être fait démonter l'épaule. Oh, un plan. Maintenant, c'est du sérieux. Parce que avant, enfiler des perles. Arrête de l'aider.
Elle va te bouffer pendant ton sommeil. La tour est droit devant nous. Ça tire des suppositoires. Ça tire pas des suppositoires. Yes. Oh, l'un ou l'autre, j'avoue que ça me fait rire. Ah. Par hasard, cette porte serait cadenassée. En pensez-vous ? Je crois qu'on ne peut pas passer par là. Pouli pouli. Oh, un petit suppo. D'accord. Oui. Quoi ? Ah non, hein. Non, 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 non ! Ouais, ouais, le monstre, là. Ouais, voilà. Sans ramper de façon complètement chelou, s'il te plaît. Bon. Ok. Oh, ouais, non mais attends. SVP en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le moignon, on vise le moignon. Attends, pousse. Wow, on se calme. Ouais, bah déjà le 1, il était Space, hein, Resident Evil Révélation 1. On n'était pas du tout sur un gameplay trad de Resident Evil, hein, pour le coup. Mais il était moins... Il y avait moins de bestiaux chelous. Quand même. Pas du tout. J'arrive, Bébouche. Je finis le chapitre et... Où est l'alimentation ? Bébé. Y'a Bébou. Elle saute. Qu'est-ce qu'il fait? Pas saute. Ah, d'accord. La finalité, c'est ça, on est d'accord. Non mais vraiment, il y a 3 tonnes de chaîne, Jean-Michel. Bon. C'est évident que ça ne va pas. On va devoir défoncer ce portail. D'accord. Ça. Ok. Il y en a plus par là-bas. Apportez les bières, je m'en charge. Oh, ça n'a pas marché, mon histoire. Il y en a d'autres qui arrivent. Yes, trop bien. Mais vas-y! Lui, il a déjà le petit moignon caproc. Voilà. J'ai repu de mune. Oh non, il y a un trou. Bon. Il est où le trou? Wow. Putain. Oh, je les aime pas du tout, hein.
termes de munitions. Pou, pou, pou. Ça va faire fonctionner la grue, mais ça va ramener combien de Jean-Michel avec ? Merde, elle était où l'entrée de la casse-bas ? Là. Oh, Jacqueline, tu cours, hein ! Odor. C'est qui l'expert des verrous, hein? Allez, dépêche-toi. D'accord. D'accord. Oh! Putain! Ça va, oui! On se casse! Non, 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 non! Cours! Voilà! Cours! Allez, American, funkier. La petite touche, forcément. Un Resident Evil sans explosion, c'est pas un Resident Evil. Ok, dirigez-vous vers la tour. Bon, on ne peut pas dire qu'on a pris le chemin le plus court. Non, mais c'est bon, on est... Bah, tic, tic, tic. Oh bah. Eh ben que pouette! Merci Tifa pour le raid, c'est adorable! Et QQ, t'étais sur quoi de bio? C'est elle. Coucou Shindar! Coucou Maya! Et coucou Ewa! Ouin! T'étais sur avec. Ouais, Bibit, j'ai vu. Je dis rien, mais je te juge tellement forte! Ça a été enregistré il y a 6 mois. Ah, c'est pas beau, hein. Oh, 6 mois. Ah, merde. Ta fille s'appelle Moira. Oh, merde, elle la connaît. Ouais. Le fameux Bibit. Non, mais quand j'ai vu ça sur TikTok, j'ai pété un plomb. Elle a mangé Moira. Eh, gamine. Elle l'a mangé. Pourquoi 60 Moira. Pourquoi 09? Le nombre de gens qu'elle a bouffé? Quoi? Ah! Très bien. Ils ont buté Moira. Pas parfait. Oh, le jeu n'a plus aucun. Mais ouais, il est cool, FF9. J'avais bien aimé les aventures. Tu as rencontré. Prochainement dans Révélation 2. Ah! Moira, next time on Revelation 2. Ina, meilleur perso, hein. Est-ce que tu peux le faire? Ma grande copine. A été infectée par quelque chose. Je vais vous rattraper. Est-ce que c'est là le vacide ou je sais pas quoi? N'aie pas peur. Alors tu es venu finalement. Oh là. Oh bah vraiment se battre contre un œil géant. Ok. Ouais. Ouais. Bon bah on aura fait le tuto, parfait. Niveau scénario, elle rapporte tellement pas grand chose. Ah oui, non, elle sert à rien. Enfin, elle sert à bouffer des grenouilles, quoi, tu vois. Mais moi, elle m'a fait triper avec son kiff des grenouilles.
épisode. Tout un petit Shakip. Ce qui repasse. Mode chrono épisode 1, mode invincible épisode 1, figurine de Claire, figurine de Barry, illustration. Et bah écoute, je sais pas si t'as déjà fait la saga des Resident Evil, Tifa, mais révélation 1 et 2, c'est des ovnis. C'est réellement des ovnis. Ils sont trop bizarres ces jeux. T'en as fait aucun? Bah en gros, dis-toi que normalement tu te bats, enfin, t'incarnes en gros l'American, ok, qui se bat donc contre la corporation Umbrella qui crée des virus, qui crée des monstres, enfin, des gens bien quoi. Et dans ces Resident Evil là, révélation, t'as pas les héros d'habitude, t'as pas Umbrella, on n'en parle pas, les méchants c'est des ONG qui veulent sauver le monde. Ouais, dans le bon sens, parce que ça change au final. On l'a dans le bon sens, je sais pas trop, parce que il y a un délire avec les enfants. Moi j'aime pas trop quand il y a des enfants creepy. Ouais, le 4, c'était pam pam boum boum. Avec l'autre, là. Léon, help me. Léon. Quel enfer. Claire Redfield, vous venez avec nous. Previously on Revelation 2. Et ça fait très... Ceux-là font très nanar, quoi. Les révélations sont très très nanar. Mais c'est rigolo. En vrai... En vrai, c'est rigolo. Pourvu que tu sois en vie. Je n'ai pas de parents. Voilà. Enfin, c'est rigolo. Il y a des choses qu'ils auraient pu mentionner dans le briefing. Et un enfant, quoi. Bordel, est-ce que quelqu'un m'entend ? Ta fille s'appelle. Barry, il a l'air badass. Ouais. Natalia, par contre, moi. Morte. Quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Time. Et puis voilà. Alors le vrai truc par contre représentatif de Révélation 1 et 2, c'est qu'ils te mettent le nom du jeu à chaque chapitre, t'as un previously, un next the truc, t'as l'impression de suivre une saga américaine, enfin... C'est... une dinguerie. Donne ma mère, ma vie est géniale. C'est comme un Kijutsu. On s'éclate, continuez sans moi. On se rejoint plus tard. En plus que les pubs, c'est vrai. Me chauffe pas. On les connaît pas, par contre. Vous êtes qui, vous ? Mais Fernandez, regarde. Est-ce que c'est là ? Le Vacit ou je sais pas quoi ? Ouais. Là où la vie commence. Ah, mais c'est des mecs de l'ONG. Il y a un mec, il a le manteau de l'ONG. Good Planet, là, ou je sais pas quoi. C'est pas ça du tout. Planète quelque chose. Planète Sushi. Ah, Terra Safe, il n'y a pas planète. Bon, il y a Terra, c'est... Ça passe. C'est celui de Thompson ? Ouais, je vais l'examiner. Oh là là, regardez. Oh merde, Gay ! Il a senti le raid de Tifa, il est venu faire sa star, du coup. Oui, tout le monde sait que t'es beau. Aou ! Moira, la plante pas. Gabe. Hartfield. Oh, t'es en vie. Allez, lève-toi. Oh merde. Et tu me dois un nouveau slip. Vas-y. Ok. Ils sont sympathiques de nous signifier qu'il vient de se chier dessus. Tiens le coup. Ah, je savais que c'était vous. Ah. une préférence. Ah, mettre la musique à donf dans un endroit où il y a des zombies. La good idea. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je me chie dessus, c'est un sport pratique dans les jeux.
Enfin, nous remettez pas le logo de Resident Evil, parce que... On s'est réveillé okay. Au milieu d'une forêt. Et vous ? Eh ben, c'est super. Le crétin congénital, il va vite crever. Oui. Gina est morte. Merde. Thompson aussi est mort. Ouais, mais j'ai récupéré son bracelet. Eddie voulait que je regarde comment ça marche. T'as tranché sa putain de main ? Parfois, il faut faire des choix. Quand je dis ça, Moira est pas hyper fifine non plus. Hein. Très bien. Eh bien, paf, on va s'arrêter là. Du coup, j'avais dit les deux premiers chapitres. Tac. Eh ben, il a pas l'air si pire, ce petit... Il a pas l'air si pire, ce petit Resident Evil. Pour ceux qui sont là depuis le début, forcément... Pour les copains de chez Tifa, vous n'avez pas eu le temps de vous faire un avis, mais en vrai, il a l'air pas si pire. Mais t'as presque envie d'y jouer carrément. Ah ouais, on m'a dit. Alors là, quel achievement perso? Let's go. Je préfère le 1, mais ça reste très nana. Ouais, le 1, en vrai, j'ai pas trop aimé le Révélation 1. Bon, déjà, le bateau m'a rendu un peu clos. Mais c'est surtout, c'est le principe là, de toujours fonctionner avec de petits radars à chercher partout. J'ai galéré pour les munitions. Vraiment, j'ai galéré, je trouve. Enfin... Le jeu, il te l'explique hein, qu'il faut servir du radar, c'est pas la question, mais c'est pas très intuitif. En tout cas, c'est pas un truc qui vient comme ça, je l'utilise pas assez souvent. J'ai l'air quelquefois à courir et à gueuler comme un poulet sans tête parce que je me faisais courser le cul par 50 nuances de Zombax, là. Et... Tu as fait de new paramétrages sur ton micro. J'y ai pas touché depuis un moment, pourquoi ? Il est pas bien ? On me dit pas. J'y touche pas, on me dit pas, mais je sais pas. Le 2 est moins cher que le 1. Ah bah, je sais pas. Rapproche-le. Ah bah, je peux le rapprocher. Je peux augmenter aussi la sensibilitax. Tout est possible. Tout est possible. Je sais pas si c'est que moi, mais ça cut tes fins de phrase. Ah bah non, bah c'est peut-être ça. Peut-être juste que je monte la sensibilité. Mais vu que moi, j'ai pas une commu sympa, ils préfèrent que le micro me dise de fermer ma gueule, tu vois, en fait. Et t'as les gens bienveillants et les autres. Merci, faut venir plus souvent, Tifa, vraiment. Well, du coup... Ah, best commu ever. On dit qu'on a la commu qu'on mérite. En fait, depuis le début du stream, personne ne m'entend. Voilà. En fait, je parle toute seule parce que personne ne m'entend. C'est terrible. Ça fait presque 6 heures que je cause toute seule. Eh bah ouais, bah génial. Eh bah bonne ambiance. Super.